De vitesse, vous avez 18 vitesses là-dessus, et vous n'êtes pas obligé de passer tout. C'est une machin, c'est en fonction. Là, on est dans les petites, c'est automatique. Vous êtes en petite, vous donnez un coup d'embrayage, toute l'assistance est pneumatique. Je remets en grand et je vais vous expliquer sur la route. Vous attaquez des dunes, toujours les attaquer en grande avec une programmation petite. Ce qui fait que si vous voyez que ça tasse un peu, pas besoin de changer de vitesse, juste un coup de débrayage, là, ça vous redonne le coup. C'est la particularité de cette boîte, c'est produit pour. Dans les grandes, vous avez vu, je suis prêt, oui. On est passé de l'autre côté, hein. D'accord. Ouais. Et j'ai repassé en petit, ouais. Sans changer de vitesse. Alors, on se rend moins compte parce que la hauteur enlève une partie de l'effet de vitesse. Mais où on le voit, c'est par rapport aux voitures. Les voitures, ils roulent à 110, 120. Ah, ouais. C'est avec les camions, parce que vous le voyez, les camions roulent à 90. Et vous les laissez sur place, alors c'est dans les côtes, partout. Ah ouais, super. Hein? Et en roulant, on posait un hélico dessus. Et il a tout fait ce camion. Merde, c'est où ça? Ça c'est Rémi Julien. Là, c'est moi avec lui, là. Le camion entre le fond et le machin. Après. Ah, il est connu celui-là. Écoutez, je vais vous dire. Hey. Bon, on a fait connaissance.
vous faites. Non, j'ai il faut maintenant élaborer un plan, il faut mettre un plan sérieux. Voilà. Moi, je veux bien accepter un petit truc, un petit machin qui nous permette, si vous voulez, de faciliter le truc, mais il faut que ça soit un truc que je puisse accepter. Mais partez quand même, je ne peux pas, honnêtement. Moi, je vous ferai plutôt des trucs sympathiques, je vous mettrai plus de choses que vous pourrez, et vous verrez que ça n'a pas de prix. Mmh, parce que quand vous allez faire une merde, un machin, un bidule, une transmission, 12 000 balles, c'est vérifié, c'est pas... Alors... Bon, voilà, comme ça on va minimiser un peu les choses. Les arguments pour lui, je donne la marchandise qui vaut vachement plus, et j'essaie de le faire passer en dessous de la raison. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la raison? T'as une idée? Il y a quoi en dessous de la raison? Celui qui bosse, il n'est pas considéré. Ok, super. Bon, merci, c'est tout. Mais ça, c'est les 35 heures. Voilà. Mais moi, je l'ai dit il y a un an et demi. Ok, à tout à l'heure. Je l'ai dit il y a un an et demi. Attends, j'ai dit ça, nous, on a un coup de production en France. C'est plus en France qu'il faut travailler. Ils annoncent encore 6 500 là, chez Honeywell. Ah ben, non, mais tant pis. C'est impressionnant, hein? Et qui va payer dans le métier à nous? Eh ben, faut s'en aller en Mauritanie. Ouais. Tu prends des vacances en Mauritanie, hein? Non, tu vas là-bas, tu prends des vacances, tu vas à la pêche, ouais, c'est ça. Hein? Ben voilà. Ben voilà. Allez, salut. Il me dit, j'en ai ras-le-bol, qui dit, ils s'en vont tous ras-le-bol. J'ai dit, les mecs, attendez, à 11h, j'ai pas le choix de faire un peu ça. Oui. 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 Allô. Allô, allô. Olivier, bonjour. Ça va bien. J'ai en face de moi la personne que vous m'avez envoyée, là. Sur l'information que vous m'avez donnée. Donc notre affaire avance. Bon, on a des petits soucis tous les deux pour se mettre d'accord sur le prix, bien sûr, fallait s'y attendre, hein. Ça fait partie de la négo, ça. Bon, c'est un détail, voilà, comme dirait l'autre. Bon, alors, il y a le prix, si vous voulez, bon, qui comprend un peu tout ce qui était dedans. Hein. Et puis, l'enveloppe est un petit peu au-delà de ce qu'il espérait. Il est en face de moi, hein, dans mon bureau. J'ai proposé d'enlever les trois pneus neufs. Parce que j'ai trois pneus neufs qui sont des 1400 par 20 XZL. Par 20. Alors attention, c'est pas du standard, hein, c'est pas du 1200. XZL. Alors les XZL, c'est les nouveaux pneus qui ont été faits par Michelin, qui remplacent et les G20 et les XS, qui étaient les pneus sable avec les patins, vous savez. Alors ça, c'est cette nouvelle génération. Mais ceux-là, quand je dis sont neufs, ils n'ont jamais mis la bande par terre. Ils sont 999. Alors, à travers une de vos sociétés, là, combien vous pourriez éventuellement me reprendre ça? Et est-ce que vous en avez la vente? Alors, ça doit être ça. Voilà. Vous me rappelez? J'attends votre appel. Merci.
Thomas ? Ça se goupille. Ça se goupille. Est-ce qu'on peut fumer ? Allez-y. Oui. Sur la paille. Bon, en tout cas, elle sera jolie celle-ci. Hein. Ce sera une jolie paille. Une jolie paille ? Ouais. Pas pour moi avec ça. Ouais, ça ne sera pas des fumiers comme on avait dans le temps. C'est rien, on est un pays qui est compliqué parce que c'est un pays où il faut énormément. On est surtaxé dans ce pays. Et on a des structures qui font qu'aujourd'hui, c'est pas comme là-bas où ils peuvent vivre avec rien. Ici, vous y vivez, vous y avez vécu, vous savez très bien. C'est pour ça que je m'en vais d'ailleurs. C'est pour ça que je m'en vais. C'est trop compliqué. Bon, vous savez quoi, je vais chercher un. Je vais prendre le mec de l'Ordre. Vous allez me recueillir ? Oui, je vais essayer de conclure l'administratif aujourd'hui. Bon. De manière à ce qu'on puisse tomber d'accord et que je puisse prendre l'embrousser. On va tomber d'accord. Ça me fait penser aux femmes qui disent toujours « Oh, je suis tombé enceinte, la pauvre, elle est tombée. » Comme si c'était une fatalité. Je sais pas vraiment ça, je tombe sans le cul. C'est quoi ça? C'est pas ça la fatalité? Ils sont dans le bureau où il y a un dessin. Enfin. Ça passe quelque part. D'avoir un cardan qui s'adapte. Voilà. Ah non, mais il te faut, si tu veux. Donc, non, mais c'est pour ça que. Lui, il m'a enlevé ce qui était. Inutile. Voilà, les trois pneus, c'était une valeur marchande pour lui. Donc, 12 000 balles de pneus. Ouais, il m'a retiré les trois pneus. Bon, cool. Il lui a retiré les trois pneus. Bah. Il est pas non, cool. Non. Non, mais cool, il m'a fait descendre en avion. Il lui a retiré les trois pneus, le mec. Il est pas cool. Putain. Mais non, mais attends, il m'en a laissé deux à l'intérieur et il y en a quatre chaussettes. Ah, t'en as deux ? Ouais, j'en ai deux. Et je te dis, j'ai envie d'amener au moins 2000 personnes. Au-delà, je peux pas couvrir, j'ai pas l'air assez solide. Mais si on est plus, si on peut être 20 000, 30 000, il faut qu'on arrive à leur trouver ici, à leur montrer. Le rien à foutre à l'infini, ce que ça peut faire, quoi. Parce que dans le désert, c'est à l'infini. Et le rien à foutre, c'est les gens qui en ont rien à foutre, c'est à l'infini. J'ai eu les preuves de manière concrète. Et c'est bon, je réagis, quoi. Maintenant, je pense que les gens concernés vont. Il avait les boules, parce que vont prendre leur place. Maintenant, je n'ai rien de plus, tu vois. Si tout le monde veut rester là. Revenir, une fois épluché et tout. Alors, mais je suis là. Tous les mecs ont parlé et tout. Le monde, j'alimente, j'y crois jusqu'au bout. On tente une expérience maintenant. Parce qu'on est dans un régime, sous un régime islamiste. Il faut le faire là-bas. Parce qu'il y a encore des esclaves. Il faut le faire là-bas. La casserole. Parce que la dictature est en place. Il faut le faire là-bas. Parce que. Parce qu'ils sont complètement coincés. Je comprends bien. Tu vois, il y a tout. Quand on quoi. Part en vacances, on a une minute d'y aller.
nous, c'est ça. Bah, vous prenez chacun votre unité de survie, déjà, vous déplacez les combinaux minimum. Non, je pense pas. Déjà, on verra quand tu seras arrivé. Nico, des combinaux minimum. Nico. Je pense pas que les Mauritaniens aient cet esprit-là. De base, le peuple, je pense pas qu'ils soient là ou Martinique. Toi, tu penses pas. Tout ce qui bouge là, je pense qu'il y a quand même des gens cool. Faut pas délirer. Mon bijou. Viens, on va faire mon côté, viens. Tu vas me voir? Au revoir. Au revoir, le yak. Au revoir, le yak. Allez. Bon, on a un poussin, on fait le plein d'eau et puis on monte chez vous. Ok. Ah, plus de réseau. Mais c'est après où je me suis dit qu'on est mal fait dessus. C'est après où chaque fois je me pose des questions. Je crois qu'on a tout récupéré. Mais sinon, je jette la mobilette, hein, c'est pas vrai. Non, s'il n'y a pas cette place, je jette la mobilette. Non, pas celle-ci. Alors, avant de démarrer, quand tu arrives, tu ouvres le capot, tu vérifies toutes les connexions, que le processeur n'ait pas bougé, que toutes les connexions soient clac-clac, tu refermes tout, tu branches et t'arrives. Et là, la tour, tu sais dans quel sens on doit la toucher, là? Ouais, mais non, bah oui, puisque c'est côté plat. C'est ce côté-là. Et si ça, c'est pas du camion, hein, c'est rien du tout. Hein. C'est bon, hein, waouh! Oh! Oh! T'as vu cet engin un peu? Déjà? Tac.
Allez. Faudrait pas devoir s'arrêter vers un constat. Sinon, on n'y serait pas du tout. Ciao, Véro! On est parti. Ciao! Pas encore dans le désert, mais je me rappelle la dernière fois j'avais hyper hâte d'y aller, d'être arrivé dans le sable. Mais là tu vois, les pneus vont souffrir, donc on a intérêt. Ouais, c'est toi qui pousse, merci. Mon poteau. I'm gonna go get some more.
Mais j'aurais peut-être dû prendre une autre fusil aussi. On est parti le 6, c'est ça. Et on est le 9. 7, 8, 9, ouais, 3 jours quand même. On passe au Maroc. Et il nous reste exactement 5 jours pour traverser le Maroc. On a combien? 3500 bornes à faire. En 5 jours. C'est pas... Ce sera ailleurs, ce sera facile. Parce que c'est au Maroc que ça va être chaud. Putain, on va être bien. On va être bien. Alors, celle-ci, c'est celle de bord qui va rentrer. Ah, mais voilà, il y a les places des trois bouteilles. Il y a les trois places des trois bouteilles. Vous avez pas de fusil, ça vous regarde. Maintenant vous avez un camion comme le mien, vous allez en Mauritanie, vous avez votre fusil. Moi j'en ai besoin. Et bien vous le récupérez au retour. Ok. Une chose qu'ils savent pas, c'est que sans avoir d'armes, je suis toujours, toujours, toujours armé. Toujours armé. Soir. Ah, je l'ai. Thank you.
Bah viens voir Garnicus. Ouais, les tanks. Putain, je hais les douaniers. Pourquoi je hais cette race d'hommes? Pourtant, il n'y a pas. Normalement, il devrait y avoir qu'une race. C'est les hommes. Non, il y a les douaniers. Il y a les hommes et les douaniers. La plaque, c'est pas conforme. Mais je vois que... Ça, tant pis, hein. Non, par contre, je pense qu'on peut bien... Et elle, elle est pas morte. Alors, on a cassé combien? Une, deux, trois cordes. Oh. Oh, elles sont... Poil peu cher. Vécu, hein. C'est du... Ah, je t'ai garanti qu'il a fait froid, hein, cette nuit. Hein. Tu m'as dit que 100, ça faisait 100... 130. 130. Ah.
Pascal, tu sais assez bien, enregistre ça. Pense à éteindre l'ampli et fermer les portes. N'importe quelles que soient les circonstances, à mesure où tu descends de ton côté. Non mais sur toi je rigolerais pas parce que si elle est cassée c'est parce qu'on l'a mal rangée, tu vois, il y a quelque chose qui l'a écrasé, qui a... Donc c'est pas rigolo. Qu'on a le temps et de faire du feu et attendre que le café coule et commencer. Ah. Thank you.
spoil, hein. Ah ouais, tu vois un camion retourné en brousse, tu t'arrêtes. Avant c'était tout les villages, même les tout petits bleds, mais avant c'était tout. Maintenant c'est que dans les zones. En fait, ici, s'ils enregistrent, c'est pour contrôler. Après, ils font des contrôles, ils font des rapports. Et les gens qui sont rentrés d'un côté sont censés être sortis d'un autre. Donc c'est pour être sûr de ne pas en avoir perdu en route. S'il lui manquait l'appel au bout de X temps, on commence à le chercher. Quoi. Si je reste, je vais essayer. Je vais rester. Synthèse du jour. Tout est là.
donc Lara Croft, toujours. Mais bon, c'est s'adapter, faire ça. Jusque là, on continuera. C'est parce qu'il pense être ce qu'il dit que le guerrier de la lumière finit par devenir ce qu'il affirme être. Le guerrier sait que le combat s'interrompt de temps à autre. Il ne sert à rien de précipiter la lutte. Il est nécessaire d'avoir de la patience, d'attendre que les forces s'entrechoquent de nouveau. Dans le silence du champ de bataille, il écoute les battements de son cœur et constate qu'il est tendu, qu'il a peur. Il fait le bilan de sa vie, il vérifie que son épée est aiguisée, son cœur satisfait et que la foi embrasse son âme. Il sait que la préparation est aussi importante que l'action. Il manque toujours quelque chose et le guerrier profite de ces moments où le temps est suspendu pour mieux se préparer. Action. Préparons-nous. C'est un avion de l'ONU. Tu vois l'avion de l'ONU? Tu la vois l'avion ONU? Non mais les riches, ils viennent ici, ils vont dans les hôtels avec leurs 4x4 climatisés et tout ça. Nous on cherche l'aventure. Mais lui il cherche l'aventure plus profond que nous. Ouais, mais ça fait beaucoup de culture et voyager pauvre américain. Je sais, mais je suis pas, c'est pas mon truc la culture, moi. C'est de faire une retraite, m'acheter un bateau, faire le tour du monde, moi, c'est ça mon truc. Moi ma culture, c'est ça. Enfin quand j'ai toujours un objectif. Lui il veut une culture. Je te donne une adresse d'un pour quelqu'un qui veut vendre un voilier. Bien. Moi, il me faut un 13 mètres. Pas maintenant, ouais. Dans 5-6 ans, je vais m'acheter mon 13 mètres. Moi, mon rêve, moi, c'est de faire de l'argent. Il te vend m'acheter mon voilier et faire le tour. Le voilier et la maison. Mais la maison, elle à La Palma. Elle va prendre sur le voilier. Dans les îles Canaries. J'en ai déjà deux maisons en France. Ah, une maison à Las Palmas. Ouais, mais ça, c'est les riches. Hein. Moi, je vais acheter à la Palma, c'est bon. D'occasion à 40 patates. C'est un village. C'est un village. C'est mon but, quoi. Non. Mais vivre dans machin et tout. Oui, à Las Palmas. Partout qu'on va être à La Palma. La Palma, d'accord. L'aventure, je la vis. Mais lui, son aventure, la vit mieux que nous. Parce qu'il va profondément dedans. Ouais. Moi, je peux avoir une assurance. Mais bon, il y a déjà les bagnoles à nourrir, il y a tout. Il montre en argent. Regarde, ça fait deux semaines qu'on est parti, la crasse, elle s'enlève toujours pas.
J'arrive toujours en France, moi. J'ai deux maisons, je fais les deux maisons, j'ai mes voitures, je fais les voitures. Je fais tout à la fois. Mais moi, je suis pas riche, moi. Non. Mon père, il avait un bras. Il a fait la guerre, ouais, il avait même pas. Attends. C'est moi qui ai payé l'enterrement. Si moi, je serais de la France, j'aurais un auto et j'aurais descendu un auto. Mais là, je viens du Canada. Moi, j'ai un auto. J'ai un pick-up, moi, mais il est au Canada. Toi, t'as un pick-up? Ben, t'es plus riche que moi. Parce qu'en France, moi, j'ai une ronde. C'est vrai, mais... Non, mais il faut me connaître parce que moi, j'ai été habitué depuis que je suis jeune. Parce que moi, mes deux parents, ils sont disparus et j'ai élevé pendant 7 ans de temps mes deux sœurs qui ont 10 ans et 12 ans plus jeunes que moi. Je suis déjà habitué, tu sais. Je suis né là-dedans dans la misère. C'est bien. Si je serais été né pas dans la misère, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. J'aurais besoin d'un milieu de vie plus haut. Je crois que tu es né avec l'argent, toi. Hein? Très jeune. Après, c'était fini, j'ai tombé direct. Ouais. Et j'ai eu deux sœurs plus jeunes. Si on était riches, on ne serait pas ici. Moi, je ne mange pas. Regarde, nous, on a beau venir là-bas. Je ne pense pas. Moi, je m'y attends, je sais que c'est... Ouais, mais toi, avec le gros camion aussi, tu peux te faire... Il peut y avoir des pirates aussi. Des pirates du désert. Qui viennent t'attaquer avec des mitraillettes. Je sais. T'as la mitraillette? Non, plus. Plus. C'était aussi pire de passer en Mauritanie que de passer en Algérie. J'ai pas compris. T'as essayé d'amener quelque chose pour téléphone? Moi j'avais un fusil et le gun est montré au Maroc. Ouais, mais bon. C'est quasiment plus dur de passer en Mauritanie que de passer en Algérie. Non, mais c'est vrai, si. L'Algérie c'est moins dangereux que la Mauritanie. S'il y a un couteau. Genre ça va savoir rouler vite. Quoi. Hein, qu'est-ce que t'en dis, Scalp? Rien. Bah, je crois que j'en retirerai assez pas pour lui. Trip, l'aventure. Ça te fait des papillons dans le cœur, toi? Moi, j'ai des papillons dans le cœur. Quand tu vas te dire, une bouteille de whisky. Le châssis n'est pas gentil, correct. Monsieur. Pour l'instant, gentil. Le châssis, non. Mais une fois que tu auras passé le barrage, je si pense... Si t'as pas de bouteille de whisky derrière ton siège, là, t'es un homme mort. Tu vois rien. Ah. Si tu donnes pas le bakchiche à un petit portier, un petit gardien de porte, lui, il va te fermer les portes toute ta vie. Toute sa vie, il va se rappeler de toi. Tout le temps, tu vas dire, je veux voir monsieur le président. Non, il est pas là. Ouais, même s'il est là. Non, il est pas là. Parce que tu as pas donné de sa pièce. Mm. Hey, y a des gens, ils veulent pas de la pièce, ils veulent du whisky. Là, lui, là, le flic, il m'a demandé du whisky. Tu vois, la bouteille de coca qui est là-bas. Il y a une bouteille de coca là-bas. Il y a du whisky dedans.
Ça, c'est pas fiche. Il m'a demandé du whisky. Lui, il aurait voulu que je lui donne une bouteille entière de whisky. Donc, j'ai mélangé. Il faut utiliser la fermeté. Et dire non, tu n'auras pas la bouteille. Non, ça, j'ai promis ça. Ouais, mais au bout d'un moment, ils vont te reconnaître. C'est comme le gardien qui garde toi, le truc. Toi, qui leur en donne pas. Toi, ils vont te reconnaître. Lui, il donne pas l'argent. Faut le fatiguer, gars. Non, moi, j'ai pas d'argent. Là, tu vas bien fatiguer. Voilà. J'ai un problème avec les autorités, n'importe quoi. Je dis, hey, Mohamed. Et les gens, là, ils me fatiguent, ils me demandent des choses que je comprends pas. Tu veux pas régler ça pour moi? Il va y aller. On va te rouler. Il est un Paris-Dakar? Are you doing Paris-Dakar? Yeah, good trick, hein? Yeah, it's a lie. Yeah? C'est ça, piston, là.
Hello. Va pas vomir mon café, dedans. Toi, hein? Il y a du sucre dedans. T'aimes pas le sucre? Non. Ouais. Je l'ai pas craché, en tout cas. Bah, va aller mieux, il aurait mieux que ça. Il vient, dit bonjour, il te crache le café. Il te crache de l'eau. T'as merdac. Tu t'imagines comment tu serais mal perçu par les autres. Ah, je te l'ai dit, j'ai trouvé ce que ça voulait dire, capoter finalement. Parce que tu comprenais pas, ça voulait dire c'est hallucinant. Et c'était quel mot? Hallucinant. Hallucinant? Yeah. Mais c'était quel mot que je comprenais pas? C'était capoté. Capoté? Yeah. Oh, ouais, c'est vrai, je connais. Je connais. Tu me l'apprends. Hallucinant. Hey, j'ai dormi dehors. Ouais. J'ai bien dormi finalement. J'ai dormi dehors, mais la voix hein, ce matin, elle va pas venir.
partira de nous sauver. Hein. Attaque notre Darla ici. Là, il pleure pour son dirham. Il éclate un pneu. 12 000 balles. Non, faut pas éclater. La baisse. Il est content. Ça va. Elle a fait une bonne affaire. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, ça y est, j'ai mon gasoil. C'est du gasoil? Ah, ah ok, c'est pas de la flotte. Je peux le mettre dans votre camion? Ouais. Ah, on avance. Il ferme bien par contre. Hein. Ouais, je crois. Elle va passer. Radiateur tournait plus et le moteur s'allumait. On refroidissait plus. Bon, et ben écoute, si il vaut mieux. Attends. Ça s'ouvre pas par là, ça s'ouvre pas ici. Non, c'est serti à mort, ça. C'est serti, de toute façon. Ah bon ? De toute façon, la solution, c'est même pas des grippes. Faites vos papiers, les gars, faites vos papiers dans le sac. Pas de problème, obligé pour aller là-bas. Moi, j'explique les choses. Voilà, donc on tourne. On tourne, on n'a pas de problème. C'est fini. Ok, bien. Il y a un gardien qui court une fois, voilà. Non, c'est riche.
suis quand même pas sorti de la merde encore. Parce que c'est un peu. L'autre khalam de merde de merde. Lui c'est un vrai khalam. Lui ce qu'il veut, c'est de planter. Vraiment des enfants, putain. Mais pire que... Il ferme sa gueule, il reste tranquille. Il vient ou il reste tranquille. On va lui demander s'il y a bas. Moi, je sais pas dans quoi je m'arrête. C'est lui qui avec moi, j'ai une place, je prends pas. Pourquoi je prends pas? Parce que nous, on ne fait pas confiance à ces gens-là. Ces gens, parce que quelqu'un qui est embarqué avec vous. Non, 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 on va pas caper Nord là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Nord. Ça va, je suis une piste, je suis de ta merde. Elle va à notre bout. Fais voir ton pote. Pas nord, pas nord. Pas ouest. C'est là-bas, mais il faut que la piste tourne à droite. Si elle va tout droit, c'est pas mal. 4 euros. Ouais. Le gasoil. C'est bien mettre du pressing. On va l'utiliser pour ça. Quand il y a un pressing à mettre, on envoie du volume. Oui, c'est monsieur pressing, moi je suis monsieur cash. Cash, j'ai pas besoin de ta gueule, on me dégage. En gros, ça voulait dire ça ce que j'ai dit. Mais bon, j'ai pas dit comme ça. Ah, chauffe l'Aziz. Chauffe dans le train. Chauffe dans le wagon, l'Aziz. Militaire, surveille. Lui, il a intérêt à se tenir tranquille, le guide, là. S'il a pas envie de sécher dans le fond des sables. D'ailleurs, il a compris, je crois qu'il a compris. Voilà, je t'explique. Ouais. Le point, moi je te parle carte. Carte et boussole, je te parle pas. Ouais, Je connais aucune piste. Ouais. Hein? Ouais, mais bon. On est bien d'accord. Ouais. Ah. Si on. On est là. Hein. Si on cap sud, on rentre dans les Apennines. Ça, c'est pas vrai. Ouais. On est obligé d'aller à l'est. Tu vois, la voie ferrée, elle est là. Ouais. Hein, c'est celle qu'on vient de laisser. Donc, on longe la voie ferrée. D'accord? Alors, à partir d'un moment donné, on dit qu'on fait 20 km comme ça. À partir de 20 km, on commence à cap sud. Ouais, mais bon, moi, je vais dire franchement. Et on se retrouve dans le bon margain. Si tu connais pas les pistes,
nous on va galérer. On va trop galérer. Et on a des risques de casser aussi. Mais non, mais même celui qui connaît, dis-toi bien que même celui. Ouais. Pourquoi les morts ont des 4x4? Pourquoi les commerçants ont morts ont des 4x4? Ouais, ouais, ça. Parce que ça fait toujours quoi. Je veux dire. Mais la différence entre un. Je vois pas comment il peut connaître. Non, mais il y en a qui connaissent parce qu'ils passent souvent, ils connaissent bien où on est le sable. Mais quand est le temps que tu penseras à nous prendre d'aller à lui, ce qu'il connaît, c'est la distance entre un workshop. Mais si on passe bien ces deux jours, là il nous faut capter KPS, on va se faire 15-20 km. La première bonne piste qu'on voit à droite, on va la prendre. Cap et Sud. On s'en trouvera bien. Pour les mines, pas cela. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini les mines. Les mines, c'est le poste de barrage qu'on a. Il faudrait caper nord pour tomber sur les mines. Là, je vais. On a une boussole ici. Il y a. Le gens, il faut venir me voir. C'est celui pour qui il vient de prier. Si maintenant je me mets à l'amende face à celui qui vient de prier, face à ce qu'il lui a demandé, hein? Parce que lui il sait, nous on sait pas. Toi tu sais pas ce qu'il lui a demandé. Lui il sait ce qu'il lui a demandé. Et là quand je vais poser une question.
pas assez. Moi j'ai pas assez. وهاي الكاس سالكي صرفاك حلمي فيض حتى مفيض والله مفيض مرة أخرى بازي 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 كبري كاس من أين راعي راعي زرني لك هي النقص بزنادها ها هي النقص بزنادها كراعي كم يوم تدور باش تحمل هاي ما عندك النار لا أزرق جاي يعطيك الإخلال منين نزرقها ما تدريش ما باش ننقص هيه لا بد يا حميداني عاد تبعش الدمو انقص يا قصاك ايوا ايوا عود دلو والله مرغاية ولا باس حالة دمر حالة ورصي خليها المبيعات يعودوا يقطروا الله قلت لك الشمس بعد ما نزلت عينها قبل
moi je suis le chauffeur. Allez. C'est la voiture? Non, pourquoi pas? Allez, voir, allez, voir. Ça, il faut pas bousculer ça. Viens, on part. Bonjour la caméra. Bon, on parle maintenant. C'est le variété. C'est le guide, son nom c'est Ahmed. Bon, on parle maintenant de Ahmed Mohamedou. Bon, c'est lui qui le guide. Oui, attends. Encore moi, c'est le guide Ahmed Doubamba. Ça, c'est le guide Ahmed Doubamba. Ouais. Ça c'est le guide Ahmed Doubamba, ça c'est le guide Ahmed Mohamedou. Ouais. Bon, maintenant on parle des vérités. Hein? Ouais. Parce qu'aujourd'hui on a trouvé il y a deux voitures ou trois voitures qui ont cassé sur la route. Ouais. Je crois que c'est les touristes qui vont casser. Ouais. Bon, il y a des gens qui toujours qui quittent Ouadibou sans guide, sans rien, sans, pas beaucoup de gasoil, pas beaucoup d'eau. Avec GPS, qui prépare le Ils perdent sur la piste. Hier, j'ai trouvé un 4x4 et j'ai cherché un touriste. Rana, tu te parles avec nous, on est avec nous. On fait mal à Ghanay. Ils perdent sur la piste. Après, s'ils trouvent un petit tampon, quelque chose comme ça, ils vont amener le feu dans les voitures, ils continuent. Comme ça, jusqu'à la première voiture qui a tombé en panne, ils amènent avec vous le feu. La deuxième voiture qui est en panne, ils amènent le feu aussi. Jusqu'à il va arriver le village à côté de la plage, le village de Bandarguin, avec parfois la dernière voiture, ou avec parfois une voiture qui a trouvé l'occasion, c'est la chance qui a trouvé une occasion pour amener par ce village. Ouais. Bon, il y a beaucoup de touristes qui quittent Ouadibou sans guide, ils trouvent beaucoup de problèmes. Même les Mauritaniens. Même les Mauritaniens maintenant, dans le désert, ils vont mourir beaucoup. Parce que ce n'est pas tous les Mauritaniens, y compris le désert. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela, quelqu'un qui habite dans une zone n'est pas bien compris. C'est beaucoup de différents. C'est comme l'Européen. Jamais compris le désert. Jamais compris où est, quand les voitures en panne, il n'y a pas de l'eau. Compris pas où est trouver l'eau. Compris pas le chemin des grands camions pour chercher. Compris pas les zones qui, l'autre temps, il y a des chameaux là-bas. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ça, c'est nécessaire pour un quelqu'un dans le désert. Rappelez-vous, 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 rappelez-vous,
Tu vois ce tas de sable? Tu prends, tu mets là-bas. Je veux les grains dans le même ordre. Hein. Tu me fous pas le bordel, ils sont rangés. Hein. Tu vois la dernière trace la plus fraîche là? Ouais, ouais. C'est, pas celle-ci, hein, l'autre là. Voilà. Là où il a pris le bon chemin, c'est-à-dire tu prends comme ça, là, tu fais le S, comme ça, et normalement ça va bien comme ça. Parce que là c'est trop long ici. Ouais. Et là-bas, là-bas c'est même pas la peine. C'est pas bien? Là-bas c'est pas bien. Ok. Bon, là où d'où il revient? Bien, c'est moins bien là-bas que. Là. Ok. Où il est là, mais il faut que tu te prennes comme ça. Yes. Okay. Voilà, à travers ce buisson, après. Ah, l'un et l'autre. Fais passer ici comme ça. Non, bah, pas ici, hein, pas ici. Comme ça et là. Comme ça, c'est beaucoup. Ah. C'est-à-dire pour aller là-bas jusqu'à la montagne. Mais tu vois ici là? Non, non, ici, c'est nous, moi j'ai. Ouais, ici, il faut pas passer. Ah. On fait comme ça et après là-bas. Jusqu'à nous monter, après, tu montes jusqu'à là-bas. Après, on continue jusqu'à monter l'autre montagne, tu fais les mêmes choses. Si je veux. Non,
Abaisse. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, je connais tous les handicapés de la ville. C'est mes potes. Là, un autre X-Zone, pas de clignotant. L'autre, il va... Ah. Tu sais, Mohamed, il voit son frère. Hop, il fait demi-tour, il va le voir. Il regarde pas si t'es derrière ou pas derrière. Thank you.
Rappelle-le. Il est parti d'appeler, toi. Ouais, j'ai vu, il m'a dit, mais non. Non, parce que j'ai des jeux à copier. Et lui, qu'est-ce qu'il a à copier? Qu'est-ce qu'il a à copier? Ça y est, mon vélo est tout préparé. Je sais que c'est moi, mais je ne pas. T'es jaune, à toi. Ah, je suis jaune, moi. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Ouais. Ah. Passe là-bas. Oh. Toi, hein. N'est-ce pas, t'es en jaune, l'ami, hein? Mais restez assise. Vraiment, c'est pas bon. Nicolas, vas-y, j'ai failli le mettre. Si tu veux, je me pose, hein. Mais non, mais allez, toi aussi. Ah, quand même. Tu n'as pas un bon film d'action? Hein? Si, j'étais avant. Si des arbres connaissent les autres, c'est snake. Le livre de la jungle. Tu veux le livre de la jungle? Ouais, c'est snake, hein? Non, sinon, on a les derniers Pokémon qui sont venus. Contre-attaque et bim! 3-0. Vas-y, tu touches pas les gars. On n'arrive pas à jouer. Bon, allez, on joue ensemble. Okay. Allez, on joue ensemble. Bon, c'est que la mi-temps. Hein. Mi-temps 3-0. Cher, c'est la première fois que tu. J'aimerais, moi. Je sais, moi. Allô, Zora. Oui, Zora. Bon, et vous avez pas fait café? Bon, le café, il est fait. Le café. Il est fait, il faut le servir maintenant. Il faut dire à Sarah. Sarah, tu vas pas nous amener 3 cafés? Il est fait, là. Bon. Bah, tu dis à Zora, elle met 3 tasses et puis. Bon, il faut que j'aille faire ça moi-même. Ah ouais, merci. Ah ouais. Tout faire dans ce tout. If you were the last one away,
Ou bien je continue. Non, explique, regarde. Non, non. Que tu fasses la ligne de congé seulement. Oh. Ah. Donc, regarde. Tu me. Zora. Aïe. Ah. Sarah. Capi. Capi, capi. Ça va? Tu peux poser la stick. Ah, si. Voilà. D'accord. Alhamdulillah. Allez. Ça va? Shukran. Ah, Sarah. Ça va. Ah, vraiment. Bye bye. Bon capi. Merci. Ça va? Non, ce qu'il y a, ouais, je t'ai coupé le reste pour prendre que la voix. Hein? Donc, là, je prends. Ce que je vais faire, c'est. J'ai compris, mais là, tu veux que je prenne. Que tu fasses pour le. Pour les couplets, quoi. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que tu commences quand tu entends la musique. Automatiquement, je commence. Tu comptes 8 mesures. 8 hein? Je serai à côté de toi, je te dirai quand tu commences. D'accord. Et après, tu continues à libre sans t'arrêter. Les couplets. Et plein de couplets, plein de couplets différents, d'accord. Après, on piochera, on les montrera. Après, on refera une autre piste et on fera plein de refrains différents. Et après, on triera, on fera le montage. Après, on. Donc, ça veut dire que. Alors, première fois, oh baby, hein? Encore plusieurs fois, toi et moi, oh baby, je sens déjà de ton cœur collé à moi, comme un raison, oh baby. Thank you.
Là, on a vu en premier temps la mélodie à développer sur un couplet et sur un refrain. Là, maintenant, on les a. Maintenant, il faut monter les pieds. Les pieds, c'est ce qu'on est en train de noter. Il existe, hop, c'est trois pieds. Hein? Donc, tu sais que ça, c'est comme la première phrase du couplet. Ça, j'aurais dû l'écrire en dessous. Mais j'ai mis un trait pour signaler que... Là, il y a un silence ici. Donc ça te permet comme ça d'avancer. Ensuite, quand tu... Avant d'entamer le refrain, tu sais que là, à partir de là, il va se passer quelque chose, forcément. S'il se passe rien, c'est qu'on n'a pas respecté l'évolution. Quoi. Donc histoire d'en haut et d'en bas, ça doit être un morceau. Il doit commencer en bas, il doit finir en haut, ou en tout cas... Question qu'on peut se poser, c'est ce qui est important pour moi, est-ce que c'est important pour tout le monde? Allez, encore du travail. Je te dis, franchement, j'ai arrêté de chanter à cause de ça. Juste à cause de ça. Avant, je chantais beaucoup. J'ai arrêté net. Un moment. En fait, ce matin, quand il est venu, voilà, l'idée de base, c'était de dire, si on te donne 5 minutes, en admettons, tu vas mourir dans 5 minutes, hein, tu dois laisser les traces, tu as la possibilité de parler à tout le monde en même temps, au même moment, donc qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est ça qu'il faut mettre sur le papier, et rien d'autre. Donc tant qu'on n'en est pas là, hein, on va se regarder comme ça. Jusqu'à. Mais cet esprit-là, il faut pas lâcher cet esprit-là. En dessous. C'est une perte de temps. Et moi un titre déjà, papy. Un titre. Ou une phrase courte qui veuille dire ce que tu as envie de traiter. On parle de sida. Trop facile. Déjà fait. C'est fait. Puis c'est une fatalité. C'est même pas quelque chose que les gens dans le corps médical, là, tu vois, qui. Mais tu crois ça pourrait. Je sais pas. Je sais pas, moi je trouve ça trop léger comme... Hé hey Nicolas, c'est qui t'es là? Bon, peut-être je suis gâté, peut-être je suis gâté, mais en tout cas... Ah, j'ai pas le même niveau que tu... Non, mais je parle pas niveau, je parle juste de... Non, je sais. C'est pas, moi je dis ça, c'est pas dans le sens critique, c'est dans le sens... Si c'est pour dire des choses qui ont déjà été dites... On n'a pas besoin de nous des... Hein? C'est bon aussi encore de créer des choses. Être ou ne pas être, la question. C'est une petite phrase. Être ou ne pas être, la question. Mais c'est la seule liberté que l'on ait sur cette planète. La seule liberté. Tu veux vivre ailleurs, tu peux même pas, gars. Tu vis là. C'est tout. C'est comme ça. Peu de gens qui ont voyagé en dehors de cette planète là, ils sont revenus ou ils sont morts, mais en tout cas, qui restent ailleurs là-bas, ça, nous on n'a pas vu encore. Et la seule liberté qu'on ait, c'est être ou ne pas être. C'est le seul choix. Tu refuses de vivre, hein, t'en as marre, tu veux finir, car tu te fais harakiri, c'est fini. Là tu as choisi ne pas être ou être ce qu'on en est.
C'est là la seule question qu'on peut se poser. Tout le reste, c'est que on doit prendre ça comme des faits établis. Il n'y a même pas... Même si on voudrait qu'il fasse jour la nuit, il fait nuit la nuit, c'est tout. Faut même pas chercher. Nico. Mais ce grand homme, ce n'était qu'un homme aussi. Hein? Donc nous, on doit garder ça dans la tête. Essayer au moins, parce que on a et son expérience, et on a encore... Il s'est passé du temps, on a communiqué, on a pu évoluer. On n'a pas le droit de taper en dessous de ce gars-là. En tout cas, lui, il n'a pas fait des enfants pour qu'ils soient plus idiots que lui. Gars. Hein? Sinon, il n'allait pas en faire. Moi aussi, je sais que je vais faire des enfants qui vont être pires. Je suis déjà assez jeune comme ça. Commencer déjà un peu trop carré la journée, tu vois, un peu trop matériel pour être vraiment philosophe.